Nous allons passer maintenant à la loi d'harmonie. Je vais présenter Éric Sablé. Éric est écrivain, traducteur et passionné d'oiseaux, entre beaucoup d'autres choses, je suis sûre. Il est aussi créateur de la maison d'édition Terre Blanche, dont l'objectif est de rendre accessibles les textes inédits d'origine hindouiste et bouddhiste. Éric va nous parler de Svaler de Lubix et de ses travaux sur l'ancienne Égypte, mais aussi du fait qu'il est fondateur de l'école de pensée dite symbolique, qui croit profondément que la civilisation égyptienne est fondamentalement différente de notre monde moderne. Éric Sablé. Donc, je vais vous parler de René Svaler de Lubix, qui est connu déjà comme égyptologue. René Svaler de Lubix est considéré comme le fondateur de l'école symbolique, qui donne un autre regard sur l'Égypte ancienne, qui est complètement différent du regard universitaire, du regard habituel que l'on porte sur l'ancienne Égypte. Et il l'a fondé, lorsqu'il a fondé cette école symbolique lorsqu'il vivait en Égypte. Et tout de suite, il y a deux jeunes égyptologues, Varille, qui reste très connu, et Robichon, qui est un peu moins connu, qui se regroupèrent autour de lui pour former ce groupe de Louxor, qui était donc, disons, constitué essentiellement par trois égyptologues, un égyptologue amateur, on peut dire, René Svaler de Lubix, et deux égyptologues professionnels, Varille et Robichon. Ce qu'il faut dire, c'est que ils avaient une conception de l'ancienne Égypte qui était complètement différente. Ils ne considéraient pas que l'ancienne Égypte s'était constituée progressivement, mais ils pensaient que dès le départ, l'Égypte était apparue de façon parfaite. Et René Svaler, dans ses textes, montre comment l'écriture hiéroglyphique est parfaite dès la première dynastie. Et il montre justement dès le départ aussi la coexistence d'une multiplicité de dieux, donc d'un panthéon important, avec ce que l'on appelle le Néter des Néters, c'est-à-dire le dieu des dieux, donc un dieu unique, un dieu monothéiste en quelque sorte. Et ça, il montre que ça existait dès l'origine de l'ancienne Égypte. Il montre, bref, que tous les rites, les cultes, l'organisation sociale, la science, étaient constitués dès le début, c'est-à-dire dès la première dynastie. Et ce qui montre que la connaissance égyptienne, la connaissance des anciens égyptiens, n'était pas du tout due à un tâtonnement, comme on entend quand on pense à une connaissance, on pense un peu à la connaissance scientifique, qui fonctionne justement par tâtonnement, qui fait des expériences, qui se constitue progressivement. Or, la connaissance de l'ancienne Égypte est le fruit des sages, et les sages ont eu la révélation, en quelque sorte, de la connaissance. Ça, ce sont les idées de René Svaler et du groupe de Louxor. C'est-à-dire qu'il y a eu une révélation à l'origine, justement, de la connaissance égyptienne. Comme en ancienne Égypte, justement, on dit que les rishis ont entendu les Védas. C'est-à-dire que tous les brahmanes pensent que les Védas, que la connaissance justement de l'hindouisme n'est pas du tout due non plus à un tâtonnement, mais qu'elle est parfaite dès l'origine dans la mesure où elle était entendue par les rishis. Le deuxième point qui est très important, c'est que pour le groupe de Louxor, l'ancienne Égypte était constituée entièrement autour du sacré. Vous me direz que toutes les anciennes civilisations étaient constituées autour du sacré, que ce soit l'ancienne civilisation celte, que ce soit l'Inde, en Chine, dans la Perse ancienne, toutes sont constituées autour du sacré, mais ils y voyaient un petit peu une différence, c'est-à-dire que là, c'était particulièrement visible, puisque c'était inscrit dans la pierre. Ils ont opéré une lecture des monuments de l'ancienne Égypte qui prouvait justement cette importance, cette incidence, cette omniprésence du sacré dans la civilisation égyptienne. Nous vivons une civilisation profane. Nous sommes même la seule civilisation qui ait jamais existé sur cette terre qui soit complètement profane. Même la civilisation romaine était dans un certain sens sacrée, en tout cas beaucoup plus sacrée que la nôtre. Nous vivons une civilisation laïque. Vous savez que laïque est obligatoire. Et donc la civilisation sacrée comme celle de l'ancienne Égypte nous échappe en grande partie. Et nous allons voir pourquoi.
C'est une civilisation qui est fondamentalement différente de la nôtre, qui est basée sur de tout autres principes, dont on n'a aucune idée lorsque l'on vit dans une civilisation profane comme celle dans laquelle nous vivons. De plus, pour le groupe de Luxor, l'Égypte, c'est Alchemia, c'est la terre noire, c'est la racine secrète dont sont sortis tous les ésotérismes occidentaux. Vous connaissez Hermès Trismégiste qui est considéré justement un petit peu comme l'essence, la quintessence de la sagesse égyptienne. Mais vous avez aussi l'école d'Alexandrie avec le néoplatonicien. Il y a donc comme une espèce de matrice. On peut dire que la civilisation de l'ancienne Égypte est la matrice dont sont sortis ce que nous connaissons, disons, de l'ésotérisme occidental. Voilà. C'est le lieu de la connaissance. Alors, il est évident que cette façon d'aborder l'Égypte ancienne provoque encore maintenant la fureur de certains égyptologues officiels, comme par exemple Madame Desroches-Noblecourt, qui ne supporte pas des idées qui vont à l'encontre de tous les préjugés de notre époque, c'est-à-dire une évolution qui n'est pas le fruit du hasard, l'infériorité des anciennes civilisations, etc. En revanche, il y a, même encore maintenant, des jeunes égyptologues qui disent qu'ils ne sont pas très nombreux, mais qui adhèrent au test symbolique et qui lisent encore Le Temple de l'Homme, qui est l'ouvrage majeur de René Chevalier de Lubix. Donc René Chevalier, on peut dire, est allé un petit peu à l'encontre de tous les préjugés de l'idéologie dominante. Hein. Et si l'on veut comprendre quelque chose à René Chevalier, il faut tenir compte justement de cette opposition entre société profane et société sacrée. Hein, et bien prendre conscience nous vivons dans une société qui nous imprègne beaucoup plus qu'on le pense et qu'on est conditionné. On est conditionné et il faut un moment pour essayer de comprendre l'Égypte ancienne, dit René Chevalier, sortir de nos conditionnements et essayer de regarder cette civilisation avec un regard neuf, avec le regard de l'intelligence du cœur, qui n'est pas l'intelligence cérébrale. Mais René Chevalier n'est pas simplement une sorte d'égyptologue un peu particulier. Il s'est passionné aussi pour le nombre d'or, pour l'alchimie, pour la peinture, il était un élève de Matisse, pour l'art du vitrail. Mais tous ces différents centres d'intérêt furent toujours pour lui le reflet d'une unique préoccupation. Hein. Et c'est une préoccupation qu'il habita du début à la fin de sa vie. Cet axe autour duquel gravita son existence, c'est son amour du monde des causes, ce qu'ils appellent le monde des causes, et que l'on peut traduire par la loi de Genèse ou la loi d'harmonie. Justement, c'est parce qu'il a trouvé des reflets de cette loi d'harmonie dans l'ancienne civilisation égyptienne qu'il s'est intéressé à l'Égypte. Donc sa passion première, c'est précisément la loi d'harmonie, la loi de Genèse, qu'il appelle la loi de Genèse. Et il raconte justement dans son premier livre, qui est une petite étude sur les nombres, qui est paru en 1915, en pleine Première Guerre mondiale, sa fascination, son émerveillement devant une cristallisation. Il avait assisté comme ça à l'apparition d'un cristal dans une eau mer. Hein. Il raconte, il n'y avait rien. Et puis brusquement, le cristal est apparu brusquement. Il a eu l'impression, en voyant ce phénomène de la cristallisation, de soulever le voile du grand mystère de la création. D'être confronté à l'apparition, à la création d'un monde, à la création d'un univers. Hein. Et comme on le verra, dans un certain sens, il assistait réellement à la création d'un univers, puisque ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, hein, dit Hermès Trismégiste. Et nous avons un autre phénomène aussi qui est comme ça, qui est assez fascinant et qui est assez extraordinaire, c'est celui de la chrysalide. Vous savez que lorsque la chenille se transforme en papillon, elle traverse une période, on appelle ça la nymphose, elle traverse une période où elle est enfermée dans le cocon, mais il y a une période justement où elle n'est plus qu'une sorte de bouillie informe. Et de cette bouillie informe, on a l'impression que la chenille n'existe pas, n'existe plus. Évidemment, le papillon, il est absolument inapparent. Et puis, brusquement, le papillon apparaît, il coupe, il déchire en quelque sorte le cocon et il sort. Hein. Nous sommes partis d'un animal comme la chenille qui se nourrissait des plantes et nous avons abouti au papillon qui se nourrit non plus des plantes, mais de la quintessence des plantes. Hein. Nous avons donc une espèce de processus alchimique assez extraordinaire, aussi bien dans l'apparition d'un cristal que dans l'apparition d'un papillon à partir de la chenille. Hein. Et c'est ce genre de phénomène naturel, qui sont des expressions pour René Chevalier de la loi d'harmonie, de la loi de Genèse. Et c'est ça qui le fascinait. Ce sont ces phénomènes naturels. C'est pour ça qu'il a toujours dit, René Chevalier a toujours dit, même le plus grand des sages est toujours à genoux devant la nature.
parce que la nature est toujours source d'émerveillement sans fin. On peut dire que, pour René Chevalère, tout phénomène vital est l'expression d'une fonction cosmique, hein, d'un moment vital éternel, dont le phénomène est une expression limitée qui peut prendre de multiples apparences. Alors, par exemple, nous avons la division de la cellule. La division de sa cellule, que connaissent bien les biologistes, eh bien, en son essence, est une fonction cosmique de séparation. Hein. Et c'est une fonction de scission que l'on retrouve aussi bien à l'origine de la création du monde que dans la division de la cellule. Donc nous avons en quelque sorte comme une espèce de... Lorsque nous commençons à étudier la nature selon cette optique, nous ne voyons pas simplement le petit détail, c'est-à-dire la division de la cellule, mais nous comprenons que la division de la cellule est l'expression d'une loi universelle. Ce qui fait que lorsque l'on comprend une petite loi minuscule, eh bien, on comprend toute chose. Hein, ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Lorsque l'on réalise que, en comprenant un petit phénomène naturel, quel qu'il soit, si on l'étudie vraiment à fond, eh bien, on a l'image de la totalité. Et on retrouve cette connaissance-là chez les bouddhistes chinois de Tiantai, de l'école Tiantai. Les bouddhistes de l'école Tiantai disaient, lorsque l'on a réellement compris le mécanisme d'une seule pensée, on a compris les 10 000 choses. Et par les 10 000 choses, les anciens chinois entendaient toutes choses. Une seule pensée. Vous comprenez réellement le mécanisme, le fonctionnement d'une seule pensée. Comment on part justement de l'unité pour aboutir à la dualité et de la dualité à la multiplicité. Eh bien, vous avez compris toute chose. La naissance d'une pensée, la naissance simplement de la division de la cellule, si vous l'étudiez réellement, eh bien, vous avez compris l'univers. Hein, puisqu'il n'y a pas besoin, en quelque sorte, comme le font les scientifiques actuels, d'accélérateurs de particules. Enfin, ça, c'est ce que sous-entend toujours René Chevalère. Il suffit, ou des microscopes électroniques, il suffit justement d'étudier les phénomènes naturels tels qu'ils se présentent à nos yeux. Hein. Il y a comme une sorte d'herméneutique des apparences qui était aussi, évidemment, la connaissance, le source de la connaissance de personnes comme Paracelse ou Kepler. Et là, pareil, il dit, il donne un autre exemple, l'exemple justement de la chute d'une pierre. Alors, la chute d'une pierre obéit à la loi d'attraction que nous pouvons, à une loi d'attraction que nous pouvons formuler en termes mathématiques, comme l'a fait Newton. Mais cela ne nous apprend rien sur la nature de l'attraction. Cependant, si nous saisissons la fonction de ce qui attire, nous comprenons une réalité cosmique qui est le fondement de toutes les attractions, qui se jouera, entre autres, dans la chute d'une pierre. Mais aussi dans l'attirant, justement, entre un homme et une femme. C'est-à-dire que lorsque nous saisissons, justement, cette loi d'attraction, nous pouvons généraliser et pas simplement étudier... Normalement, nous pouvons généraliser et étudier tous les phénomènes d'attraction, mais en plus, nous connaissons le pourquoi de l'attraction. C'est-à-dire que la loi d'harmonie est, on peut dire, métaphysique. Alors que la science est physique, et de l'ordre de la physique... Avec la loi d'harmonie, nous savons le pourquoi des choses. Et donc, nous entrons dans le métaphysique, le au-delà du physique. Et nous avons, et on peut dire que le sens, on s'interroge beaucoup actuellement sur le sens, eh bien, le sens, justement, la science ne peut pas sécréter de sens, de par sa nature même. Pour avoir accès au sens, pour avoir accès à cette réponse au pourquoi des choses, eh bien, justement, il faut connaître la loi d'harmonie, la loi de genèse. Voilà. Et c'est à ça que nous convie, à cette exploration, à cette découverte que nous convie René Chevalère de Lubix. Pour résumer les choses, on peut dire que pour René Chevalère, la genèse de toute forme, que ce soit celle d'un être, d'un cristal, d'une plante, d'une étoile, n'est pas le fruit d'une succession d'heureux hasards, mais l'expression d'une nécessité, d'une loi d'harmonie. Et saisir cette nécessité, c'est comprendre la loi unique qui régit toute chose, qui se répercute dans tous les règnes de la nature, minéraux, végétaux, animaux, et telle est la grande idée qui servira de fondement à toutes les recherches de René Chevalère. Alors maintenant, on va peut-être examiner justement un exemple concret que René Chevalère donne. Une illustration de cette loi de genèse que nous allons étudier à travers le développement d'une plante, d'une fleur, de l'embryologie et de l'alchimie. Et nous allons voir comment il y a un parallèle entre le développement d'une plante, le développement d'un embryon et le développement justement de l'œuvre philosophale. Parce que René Chevalère, il faut le dire, s'est intéressé toute sa vie à l'alchimie.
Et il connaissait très très bien les textes alchimiques, puisqu'il était alsacien de naissance, hein, il est né à Strasbourg, il était d'origine suisse-allemande, et il lisait les deux langues, il était bilingue, il était parfaitement bilingue, il avait donc accès à tous ces textes allemands qui n'étaient pas traduits à l'époque, et qui sont même souvent pas traduits non plus en français, c'est-à-dire qu'il a eu accès à tous les textes rosicruciens, de toute la période du XVIIe siècle, et aux textes alchimiques allemands, qui est une des œuvres qui sont très importantes. Donc jusqu'à la fin de sa vie, il s'est intéressé à l'alchimie. Parce que justement, elle est pour lui une expression parfaite de cette loi de Genèse. Quand vous avez un grain qui germe, d'abord, la graine, si vous la mettez en terre, elle traverse une phase de putréfaction, où elle devient molle, liquide. Cela correspond à l'œuvre noire alchimique. Et nous avons vu que la chrysalide, la chenille, lorsqu'elle est dans son cocon, elle traverse elle aussi une phase où elle est une masse informe. Eh bien, il en est de même pour le germe dans la terre, et il en est de même justement dans l'œuvre alchimique, où elle traverse ce qu'on appelle la phase de l'œuvre noire. Et il en est certainement de même aussi dans l'œuvre alchimique spirituelle intérieure à l'homme, qui doit passer lui aussi par cette œuvre noire. Voyons comment joue justement cette loi d'analogie. Qui fascinait René Schwaller. Ensuite, le germe se développe et nous avons l'œuvre au blanc, qui correspond au printemps. Donc après l'hiver, nous avons le printemps. La fleur, ensuite, la fleur arrive. La fleur de couleur jaune, par exemple. La fleur arrive et correspond à la couleur jaune et à l'été. Après l'hiver, le printemps, l'été, la fleur. Et puis finalement, vient le fruit, qui correspond en alchimie à l'œuvre rouge et à l'automne. Nous voyons comme ça une expression justement de la loi de Genèse. Et René Schwaller précise que l'œuvre noire est toujours liée à un cycle de 40 jours. Vous avez le Christ, par exemple, dans le désert, qui reste 40 jours dans le désert. Vous avez le déluge aussi. Et vous avez aussi les 40 jours de la vie de l'embryon. À 4 mois, 120 jours, il y a la première autonomie du fœtus. Ce qui correspond à l'œuvre au blanc. Ensuite, au bout de 7 mois, le fœtus est viable, mais il n'est pas accompli. Cela correspond à la fleur. La plante est terminée, mais elle ne peut se reproduire. Elle ne pourra se reproduire qu'avec l'apparition du fruit. Et enfin, 9 mois, le fœtus est parfait. La plante peut porter sa semence. Donc la genèse va de 1 à 4, de 4 à 7 et de 7 à 9. 4, nous dit René Schwaller, c'est le chiffre de l'incarnation, 7 celui de la réalisation et 9 celui de l'accomplissement. Et évidemment, comme il était aussi égyptologue, il appliquait cette loi de Genèse à l'histoire de l'Égypte. Et cette histoire de l'Égypte, pour René Schwaller, n'est pas simplement, comme pour l'école de Louxor, elle n'est pas simplement une succession de règnes, de guerres, mais elle est l'expression justement de cycles cosmiques. Et l'Empire s'est développé comme une forme vivante. Il s'est développé en 9 mois. Ces 9 mois qui correspondaient au décan des signes des Gémeaux, Taureau et Bélier. Vous savez qu'en astrologie, on peut diviser les 12 signes du zodiaque. Vous divisez chaque signe en 3 parties. Les anciens le faisaient. Et chaque partie, justement, dans laquelle se divise un signe du zodiaque, il y a 3 parties, de 10 degrés chacun, parce qu'un signe du zodiaque fait 30 degrés, on appelle ça un décan. Donc il a divisé l'histoire de l'ancienne Égypte justement en 9 décans qui correspondent justement à une genèse, un cycle de génétique comme on l'a vu, pour que le genèse s'accomplisse il faut justement le cycle de 9, c'est les 9 mois justement de gestation du fœtus dans le ventre de la mère. Eh bien, il a appliqué ça, il a eu cette idée géniale d'appliquer cette loi de Genèse à l'histoire de l'ancienne Égypte. Or, il a découvert des choses assez étonnantes. Il a découvert, par exemple, que le 4e mois, nous avons vu, le fœtus se manifeste pour la première fois. Or, le 4e mois correspond à la date de l'unification de l'Empire autour de la première dynastie, celle de Ménès. Auparavant, c'était la période du Gémeaux, qui est un signe double. Et effectivement, l'Égypte était divisée en 2 parties, en 2 couronnes, la couronne blanche et la couronne rouge. Et c'est précisément à la fin du Gémeaux et au commencement du Taureau que ces 2 parties se sont unifiées, qu'il y a eu l'unification de l'Égypte avec le roi Ménès. Ensuite est arrivé le Taureau. Le Taureau, c'est effectivement le culte qui est devenu prépondérant, c'est le culte d'Apis, qui est le Taureau.
Et c'était pour René Chevalère, c'était l'accomplissement, l'apogée, la période la plus riche de l'ancienne Égypte. Et ensuite est arrivée la phase, le bélier, et le culte d'Apis a été remplacé par le culte d'Amon, hein, qui était un homme à tête de bélier. Alors vous voyez comment, et ensuite avec le poisson, comme on le verra, il y a eu la révélation christique. Alors vous voyez comment ces différentes phases appliquées s'appliquent parfaitement à l'histoire de l'ancienne Égypte. Et que l'histoire de l'ancienne Égypte n'apparaît plus comme fondée sur le hasard, hein, comme peut l'être notre histoire, mais comme fondée sur une obéissance en quelque sorte au rythme cosmique. Et pourquoi ? Parce qu'elle était dirigée par des sages, et que ces sages avaient conscience justement des rythmes cosmiques, et qu'il fallait justement refléter dans la société le rythme dans lequel on se trouvait par rapport au cosmos. Donc il fallait que la société reflète les étoiles, reflète le cosmos, reflète le ciel. Les anciens, justement, dans les civilisations sacrées, étaient toujours très préoccupés de faire refléter le ciel sur la terre. Hein. Et c'était justement la préoccupation des sages qui sont à l'origine de la société égyptienne, de la civilisation égyptienne. Pourquoi cette différence, justement ? Pourquoi cette différence ? Eh bien, cette différence, pour René Chevalère, elle venait d'une seule, pour une seule raison. C'est simplement parce que nous sommes dirigés par, justement, nous vivons dans une société profane, parce que nos élites, c'est des élites de la raison, des élites cérébrales. C'est des élites, justement, qui ont essentiellement développé la pensée mentale. Or, l'ancienne Égypte n'était pas du tout dirigée par une élite cérébrale. Elle était dirigée par une élite du cœur, qui avait développé, justement, l'intelligence du cœur, ce que René Chevalère appelle l'intelligence du cœur. Et c'est ça la différence essentielle. C'est parce que nous sommes en quelque sorte décentrés. Hein. Et vous savez que par exemple chez les anciens Indiens d'Amérique du Nord, pour ceux qui ont vu ce magnifique film Little Big Man, vous avez le vieux sage justement, et bien naturellement il a sa pensée, il a sa conscience, non pas dans la tête, mais il a sa conscience dans le cœur, hein, naturellement. Et les anciens Tibétains par exemple, et même encore certains, ont la conscience naturellement centrée sur le cœur. Et justement, ces peuples qui avaient la conscience naturellement centrée sur le cœur considéraient les Blancs, enfin je parle des Indiens Sioux par exemple, ils considéraient les Blancs comme fous, parce que eux, ils avaient la conscience justement au niveau de la tête. Et comme on sait du point de vue traditionnel que l'on attribue le cœur au soleil, hein, et le cerveau à la lune, eh bien ils étaient finalement des lunatiques. Or, vous savez qu'un lunatique, c'est un fou. Donc, ils considéraient justement ces Indiens d'Amérique du Nord qui ont été confrontés aux Blancs, les considéraient comme des fous parce que justement, ils vivaient au niveau de la tête. Et bien précisément, nous avons avec l'ancienne Égypte une société qui est entièrement centrée sur l'intelligence du cœur. Il dit que pour comprendre un enseignement ésotérique, il faut avoir développé ce sens, cet organe particulier qu'est l'intelligence du cœur. Parce que c'est dans le cœur que se révèle l'indicible. Et l'intelligence du cœur est intuition, confondement, communion. Hein, quand on communie avec quelqu'un, quand on communie avec une chose, eh bien, nous faisons appel à l'intelligence du cœur. Il y a quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, c'est dans un de ses textes, René Chevalère dit « Vouloir comprendre les textes hermétiques, les textes ésotériques, avec la tête, avec la pensée mentale, c'est comme de vouloir creuser un trou avec une pioche dans la mer. Hein, » Vous voyez, c'est une image qui est très forte et qui correspond tout à fait à la réalité. Donc si nous voulons aborder l'ancienne Égypte réellement pour ce qu'elle est, la voir telle qu'elle est, si nous voulons réellement aborder l'ésotérisme, il nous faut premièrement développer cette intelligence du cœur, c'est-à-dire décentrer en quelque sorte notre conscience, la faire descendre dans le cœur, et c'est simplement alors, lorsque nous aurons cette intelligence, cette conscience globale, parce que l'intelligence du cœur donne une conscience globale, une conscience spatiale en quelque sorte. Hein. On n'est plus en quelque sorte dans une conscience frontale, mais dans une conscience globale. Et c'est simplement ainsi que nous pouvons aborder les textes hermétiques. Et nous avons par exemple quelqu'un d'extraordinaire comme Paracelse, qui est un médecin génial. Eh bien, quand on lit un peu Paracelse, on s'aperçoit qu'il avait développé cette intuition. Et que par exemple, quand il faisait une distillation d'une plante, il disait, là, il arrêtait la distillation parce qu'il savait qu'à ce moment-là, ça allait soigner telle maladie. Et s'il continuait justement le processus, eh bien, il allait soigner telle autre maladie. Mais évidemment, il ne savait pas ça de façon mentale en quelque sorte, mais il le ressentait.
il le ressentait. Et c'est comme ça qu'il a fait ses cures extraordinaires. Hein. Voilà, ce n'est pas l'objet évidemment de parler de Paracelse, mais je veux dire qu'il participait justement de cette même intelligence du cœur que René Schwaller et que les anciens Égyptiens. Alors il dit de façon très belle que l'intelligence du cœur est ce qui nous permet en amour d'être la chose en la chose, de croître avec la plante, de voler avec l'oiseau, de ramper avec le serpent, de devenir espace cubique avec le cube. Le développement de cette intelligence du cœur, évidemment, pour que ce ne soit pas confondu avec, nos désirs, avec notre subjectivité, il faut une neutralité, il faut une transparence. Hein, elle demande une très grande transparence. Alors, l'être qui a développé justement cette intelligence du cœur a une connaissance qui est aussi précise que la connaissance scientifique, nous dit René Schwaller. Pour René Schwaller, l'accouchement, en fait, parce qu'on a parlé de 9 mois, hein, toute la civilisation égyptienne, c'est une espèce de genèse qui s'étale sur 9 phases. Mais pour accoucher de quoi? Eh bien, précisément, pour accoucher du Christ, pour approcher nous dit René Schwaller, de Horus Christ. C'est-à-dire qu'il voit le christianisme comme l'accomplissement de l'ancienne Égypte. Il dit que la voie horusienne christique existait à l'époque de l'ancienne Égypte, mais de façon secrète. Et elle est devenue en quelque sorte visible avec l'ère des poissons. Hein ? Non pas le christianisme exotérique tel qu'on peut le connaître dans l'Église catholique ou dans les églises en général, mais le christianisme ésotérique. Et le christianisme ésotérique est, pour René Schwaller, cet accomplissement, justement, de toute la symbolique de l'ancienne Égypte. Et il voit notamment une image très belle, très très belle image, qui se trouve notamment à Vézelay, cette expression de l'ésotérisme chrétien dans ce qu'il appelle le Christ des quatre Orients, qui est représenté sur le fronton de certaines églises romanes. Hein. Et vous savez que, justement, les églises romanes étaient l'expression d'un christianisme assez exceptionnel. Eh bien, il y a, c'est-à-dire que le Christ n'est représenté, au lieu que ce soit la crucifixion, il est représenté vraiment par une tête avec 4 ailes. Hein. Et il appelle ça le Christ des 4 Orients. Et les 4 clous, justement, qui ajoutent sur ces 4 Orients, 3 fois 4, ça donne 12, il y voit justement le sens du véritable christianisme, qui est le christianisme, comme je vous l'ai dit, le christianisme gnostique, le christianisme ésotérique. Hein. Et c'est pour ça que, notamment, Isha Schwaller de Lubick, sa femme, a développé, justement, ce christianisme ésotérique dans certains de ses livres. Elle a donné des bases, justement, sur ce christianisme ésotérique. Alors il dit justement, pour finir, René Schwaller, pour René Schwaller, l'ésotérisme chrétien se marque aussi dans l'Apocalypse de Jean, ou alors dans la passion christique, qui a été mal compris par l'Église institutionnelle, dit-il, mais dont chaque étape révèle justement, dans chaque phase en quelque sorte de la passion, révèle une étape particulière de cette transfiguration de l'être humain, de ce passage justement de l'humain au surhumain. Voilà. Et je pense qu'on peut terminer sur cette belle image de l'ésotérisme chrétien du Christ cosmique. Eric, merci beaucoup. Merci d'avoir respecté le temps qu'on a disponible. Merci beaucoup.